Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui sur One Piece Unlimited Clues 1. C'est parti pour continuer notre let's play. Alors j'ai essayé, dans les paramètres j'ai vu qu'il y avait un truc gyroscope qu'on pouvait paramétrer, donc j'ai paramétré comme ça sur R1 et comme ça sur L2, sur R2. Et j'espère que ça va me permettre de pêcher dans le jeu parce que c'est assez compliqué. Sinon au pire ce qui se passe c'est quand je serai posé en appartement, je m'achèterai une Wii. Et un boîtier de capture et je le ferai sur Wii directement. Je rachèterai toute cette petite collection. Ah là là, ça me manque ma collection, je vous jure, tous mes souvenirs d'enfance, ils ont été vendus. C'est assez relou de se retourner sur son chemin et de se dire qu'il n'y a rien comme trace du passé et que tout ce qu'on a vécu, c'est que dans les souvenirs que c'est. Je suis un peu jaloux de ces gens qui ont des souvenirs, qui ont des chambres d'enfance, qui ont des trucs comme ça. Genre, je sais pas, je fais un peu le Calimero, mais en même temps, c'est parce que c'est à ça que je pense en ce moment. Donc, on s'est arrêté sur la deuxième île, on avait un peu exploré, on avait fait la technique du labyrinthe, c'est-à-dire on était resté collé sur la gauche, et on avait progressé pour avancer, on avait découvert la prochaine zone de boss. On avait découvert comment ça s'appelle? Ah là, j'y joue pas assez souvent. Ok. Ça, faut que je le prenne. Ok. Bon, c'est beaucoup de jeux de gestion. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je pense que c'est assez stylé d'avoir un One Piece comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu One Piece. C'est parce que il est, comment dire? Il est stylé. On pourra dire ce qu'on veut, c'est de l'aventure à l'état pur, c'est de l'exploration d'île. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le manga, sur les jeux vidéo sur le manga. Et j'avais dit que le meilleur jeu One Piece, ce serait genre les programmeurs, ils refont celui-là, ils se posent, et j'ai pas vérifié si le micro marche bien. Ouais, c'est bon, ça marche. On est carré, on est rectangulaire carrément. Tellement on est carré, c'est un losange. Ouais, donc là j'ai un peu la. Comment dire? Ah, allez. Alors, c'est un jeu qui nécessite, qui est pas seulement dans le tabassage, tu vois. One Piece Pirate Warrior, c'est sympa 5 minutes, mais t'en as vite fait le tour en réalité. T'en as vite fait le tour. Alors que là, tu vois, le jeu il a de la rejouabilité, pas mal de trucs qui font que. On va faire le dash. Que ça rend des trucs. Là, il faut changer de personnage, il faut en prendre un qui coupe. On va prendre Brook un peu. Il y a de la progression. Je sais pas, moi je le trouve très bien ce jeu. Je suis content de pouvoir faire ne serait-ce que les premières îles. Même si après à la fin on finit bloqué parce que. Parce qu'on peut pas pêcher, donc on peut pas monter les PV. Moi, je le trouve stylé ce jeu. Je passais des heures dessus à essayer d'avoir tous les petits secrets, tous les petits objets, tous les boss optionnels. C'est un jeu qui est complet. Aïe. Ah!
Brook qui peut courir sur l'eau, petite info. Bon, par contre, on a un problème de stockage. J'ai cru repérer qu'on n'avait pas assez de... Ah, je l'ai raté. Encore raté. Pourtant, j'ai programmé le truc pour que ça fasse bien comme ça, hein. Je sais pas ce qui s'est passé là, pourquoi est-ce que ça m'a fait des tirs sur le côté. Peut-être désactiver plus tard là. Là pour le moment ça va parce que genre j'ai pas envie de comment dire de faire de me perdre dans des paramétrages. Je pense que ça va marcher. J'ai programmé le gyroscope et tout, je me suis déterré. Ah, l'Atlas doré. Il est rare, celui-là il me le faut. Je crois que j'en avais capturé un dans la vidéo précédente, mais on n'est jamais trop prudent. Genre. Bon, c'est pas grave. Continue de progresser. On se débrouille plutôt bien, je trouve. À mon avis, c'est parce que j'ai paramétré trop fort. Ce qui compte, c'est que je puisse pêcher. Les coups de filet, au fond, c'est pas trop grave, ça, qu'ils fassent vertical ou horizontal, moi ça me va. J'entends un bruit, je paranoïe en fait, en vrai. J'ai peur d'utiliser mon ordinateur parce que j'ai peur qu'il bug. C'est ça qui me fait plus peur, tu vois, c'est que mon ordinateur, il marche pas. J'ai cru qu'il avait laissé un objet.
Ah, j'ai trouvé un morceau de carte. Ça, c'est bien pour les trésors. On y est. Il y a l'ombre au sol qui permet de l'attraper. On va prendre les herbes amères parce que c'est ce qui permet de faire les objets de soins. Enfin, il faut des herbes médicinales et des herbes amères, je crois. Et avec l'aspirateur, t'as plus de chances de faire looter. Donc on a appris un nouveau coup, au bas de coup droit, c'est un chargé. Et maintenant on peut faire ça. Ok, c'est là-bas. On n'a pas encore la pioche. Ah, je suis tombé. Voilà, c'est ici. Os mystérieuse, j'ai eu 10. Allez, c'est parti. Ce que j'aime bien, c'est que ce jeu il a été supervisé par Oda. Donc, il a été scénarisé par Oda. Donc, toutes les petites blagues, tous les petits commentaires, toutes les petites scènes, c'est du Oda tout craché. On retrouve le flow du manga, vous allez voir. Franchement, si vous, même si on n'est pas beaucoup à suivre cette aventure, et là, je pense que vous allez kiffer. Vous allez kiffer ce qui se passe. Ils sont deux cette fois. Tiens, tiens, comme on se retrouve. Toi. Non, pitié, je n'ai rien demandé. Je ne veux pas me battre contre vous. Tes ruses, Minam, ne prennent pas avec nous. Crick est le fourbe. Crick, donc Crick. Ouais, c'est Crick. Tss, moi qui pensais me montrer clairement et vous éliminer en douceur. Je vais me battre à pleine puissance. La puissance qui m'a permis de régner sur East Blue. Capitaine Kuro, pour me défaire de ce nom, je dois tuer tous ceux qui connaissent mon passé. C'est mon plan. Ouais, ton petit discours aurait peut-être effrayé le Usopp de Sirup, mais je ne suis plus le même. T'as les jambes qui flageolent, on dirait. Mais non, il tremble juste de rage et d'excitation. Pas vrai, Usopp? Assez bavardé, on va vous éliminer tous les deux en même temps. Très bien, ça nous convient parfaitement, n'est-ce pas, Crick? Tout à fait, Kuro, mille plans. Mes plans sont imparables. Ma puissance militaire va vous pulvériser. À nous deux, on va tous vous expédier en enfer. Et c'est qui part pour le combat contre Kuro et donc Crick? Il est fort, Kuro. Faut pas que je panique unique. On va sacrifier Brook.
Ok, on a pris un nouveau coup. Ça permet de faire des esquives. Ça va, on leur enlève pas mal de PV. Faudra faire attention à leur super. Ok, Brook et Caro. On va utiliser le chopper. On va commencer par les plus mauvais. Oula, ils me l'ont envoyé Valgandé. Là, il utilise sa super et je vais changer de personnage en plus. On va utiliser Usopp. On va se concentrer sur ton Creek. Il vise mal, Usopp. Oh, il m'a sauvé, Kuro. J'ai du mal un peu à jouer Usopp. On a bientôt éliminé donc Krik. Il a encore enchaîné sa super. On va jouer Robin. Ah, j'étais presque en furie. Bah, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a deux ennemis en réalité. Mais ça va, on gère plutôt bien. Kuro, il est passé en botte. Là, c'est là, ça va commencer à devenir chaud. On va sortir Sanji. Non, Franky, tiens. Ok, on a écrit. Et il enchaîne, Kuro, hein. Ok, Franky, il a pas fait grand chose. Mais il est temps de passer à Luffy. On va terminer ça avec Luffy. Et voilà. Oh non, me dis pas que ça bug et que je peux pas jouer. Ah, j'ai eu peur. Pouah, quel goût infect!
Ah ouais, c'est peut-être parce que ces deux gars étaient vraiment pourris jusqu'à la moelle. Regardez, on a droit à deux trésors cette fois. Ça valait la peine de venir. Quelle cupidité. Tu n'es vraiment pas un ange non plus, Nami. Frankie, comment oses-tu dire une chose pareille à ma pauvre, douce Nami? Regarde ce sourire radieux. C'est bien un ange. Merci, Sandy. Pas la peine de me remercier, Nami. Je ne fais que dire la vérité. Non, c'est un démon qui profite des hommes. Gabri, Chopper, ne vous laissez pas berner. Compris? Gab, j'ai pas tout compris, mais je vais faire attention. Ça ne va pas de leur mettre des âneries pareilles dans la tête, Usopp. Fruits bleus. Et orbe rouge. On va déjà utiliser l'orbe rouge. Et on va retourner au navire. Il n'y a pas un... Ah si, il y en a un là-bas. Pour retourner au navire. On va juste prendre l'eau. Ah, il y a des ennemis à abattre d'abord. Allez, c'est reparti pour retourner au navire. Il est trop trippant ce jeu. Il y a vraiment tous les ingrédients de One Piece dedans. Bon, c'est le contrôle de la caméra, il est pas top. Mais ça vaut il vaut vraiment le détour. Je suis bien content de m'être motivé de vous avoir fait un épisode. Je vais tester la pêche. J'arrive à faire partir le truc. Je crois pas que je vais réussir à pêcher dans le jeu. Bon, ce que je voulais faire, c'était vérifier la cuisine. Ouais, j'ai des plats que je peux faire là. Cela je peux pas, mais cela je peux. On va augmenter Sanji, Zoro et Luffy. Parce que plus ils mangent de plats, moins ils peuvent augmenter. Et les plats les plus poussés, c'est avec des trucs que tu chopes en pêchant. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y a moi quand même moyen que je fasse le jeu. Je vais réessayer la pêche. Ok. En plus là je vois le truc. Peut-être réussir à pêcher un truc. Bon, c'est pas possible de pêcher des trucs ici, mais on pourra pêcher sûrement d'autres trucs. Il faudra juste que j'insiste. Ok, on va essayer d'un peu d'explorer le navire. Il y a des portes qui mènent nulle part. On va écouter un peu les dialogues. Zoro, pourquoi tu es toujours le seul à te perdre? Je t'ai pourtant donné une carte. Hein? J'ai pas besoin de carte. En général, je me sers d'un nuage pour me repérer. Un nuage? Les nuages bougent et changent de forme. Pas étonnant que tu te perdes constamment. Quel andouille, t'as vraiment aucun sens de l'orientation, Zoro. Tu vaux pas mieux. Il me semble qu'on avait une pioche quelque part par ici, non? Ouais, je crois que je l'ai vue quelque part dans le coin. Je ne sais plus où, mais je suis certain qu'elle est bien à bord du Sunny. Ok, donc il y a une pioche. On va chercher la pioche. Bon.
Yo-ho-ho-ho! Tu dois aussi jouer pour le petit lion. Je dois aussi jouer pour le petit lion. Je veux écouter, moi aussi. Joue quelque chose d'entraînant. On peut vraiment aller partout. C'est trop cool de pouvoir explorer le Sunny. Des fois, il y a des mouettes qui sont... Ah, là-bas, il y en a une. On va essayer de la capturer. J'aime bien parce qu'elle bouge pas alors qu'il y a un gros filet de ce qui arrive devant sa gueule. On va voir si je peux la cuisiner. Palourdes. Les palourdes, elles sont sur la première île. On va les capturer. On va continuer d'explorer ce nid, histoire de vous montrer tout ce qu'il y a. Et même cette salle, qu'on n'a plus vue dans le manga depuis des années. Elle était au début quand ils ont montré le Sunny et après, plus rien. Gab! Quoi? On ne peut pas encore accéder au bar? Alors l'aquarium ne sert à rien pour le moment. C'est vrai, si on met des poissons dedans, c'est pour pouvoir les admirer, non? Gab? Quoi? On ne peut pas encore accéder au... Ouais. On va faire un peu de chimie. On a débloqué la chimie avancée, parfait! Allez, Chopper! Un liquide excellent pour la santé, il restaure une grande quantité de PV. On va les mettre dans le sac. On a tous un tas d'ingrédients sucrés, et si on essayait de tous les mélanger ensemble? Et ça, c'est quoi ça? Si seulement mon matériel de chimie était transportable! Hein, ce truc me donne une idée, je crois que c'est une technique de Chopper ça. Parce que Chopper il a une capacité où il peut se soigner, je crois, une délire du genre. Requis pour débloquer la chimie avancée. Chopper peut utiliser sa technique expérimentation. Tu peux passer en revue les coups spéciaux que tu as pris depuis l'écran statut du menu pause. Et on peut aussi faire celui-là, parfait. Liquide à base d'eau et de sucre, ingrédient indispensable pour préparer les desserts. On va le mettre en réserve du coup. Ça sent bon. Quoi ça? Hein? C'est... Hé, j'ai une idée. On pourrait se servir de ça comme appât pour capturer les créatures des îles. Mais il va aussi nous falloir quelque chose pour les piéger. Voyons. Ok, j'ai de quoi le créer. Avec ça, je peux bricoler des pièges pour attraper les bêtes trop grosses pour le filet. Ça, c'est stylé. Et lui, il a une idée de tarte aux cerises. Ok. On a bien avancé. On va aller à l'atelier d'invention. Les pièges. Installe ces pièges par terre pour capturer des créatures, mais fais preuve de patience. On va les mettre dans le sac du coup. Je sais pas où est-ce qu'on peut les mettre. Ouais, j'ai réussi!
Avec ça, on va pouvoir attraper plein de bestioles sans avoir à bouger le petit doigt. Mais les prix sont aléatoires. Pour attraper un spécimen précis, mieux vaut utiliser le filet. Et bien sûr, il faut installer les pièges au bon endroit, là où les animaux sont nombreux. Ah, Usopp, à l'aide, je suis coincé. Ah, je crois qu'on vient d'attraper une grosse bébête. Et on va voir si on peut pas aller à la cuisine. Parce qu'il me semble que j'avais des fruits rouges. Ça, on va en avoir besoin, je m'en souviens. On va retourner sur la première île et on va essayer de pêcher une palourde pour faire de la cuisine. Avant de continuer à progresser sur l'île, parce que ça va être un peu plus compliqué. Le prochain boss, je vous dis pas c'est qui. Assez dur, d'après mes souvenirs, quand j'étais gamin, en tout cas, c'était pas facile de m'occuper de lui. Donc du coup, je préfère être sur mes gardes et essayer de maximiser le maximum les PV et les PC. Parce que les PC, c'est ce qui permet d'utiliser les techniques et de courir. Et quand tu utilises la technique, les PC, ils baissent. Et donc du coup, tu peux moins courir et moins faire d'action. Je crois que c'est un bon endroit pour installer le canon omnicible. Le canon omnicible? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un canon spécial inventé par la Frankie Family. Il peut tirer à peu près n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec cet engin? Eh bien, je vais l'installer sur le pont du Sunny et m'en servir pour nous envoyer sur les îles. Nous envoyer? Je crois que je vais passer mon tour, merci. On va voir ce qu'il faut pour le créer. Bout de ferraille, mélange chimique explosif. Ok, on l'a pas encore. Pour le moment, on va se contenter de descendre à pattes. La grande question, c'est est-ce que je vais pouvoir pêcher? Parce que tout le jeu, il dépend de la pêche. C'est pas. Le gameplay en soi, il dépend pas de la pêche, mais pour progresser, faut pêcher. Bon, le Uno, il a du mal à passer là, le Gum Gum H. Bon, c'est pas grave. On aurait pu avoir un bout de ferraille. Allez, c'est parti pour la tentative de pêche numéro 24. À l'aise. Ok. Bon, au moins on a réussi à l'envoyer dans l'eau. Bon, par contre, on l'envoie pas loin, donc on n'aura pas les meilleures prises. On va devoir y aller au skill. Je crois qu'après il bouge plus. Ah non, c'est bon, il rebouge. Après, ça dépend aussi du niveau de la canne à pêche, les prises. C'est ça que je voulais. Ok, donc on peut un peu pêcher. Ça me rassure un peu. On pourra pas pêcher loin, mais on pourra pêcher un peu. Donc ça permettra de faire certains plats et de progresser un minimum. Et le reste, on ira au talent.
Soupe d'os de mouette, soupe légère à l'arrière-goût subtil. La saveur riche de ces herbes réchauffe le cœur. On va donner ça à Luffy, tiens, ça le progresse bien. J'ai regardé à combien de temps de vidéo je suis. 35 minutes. Moi, je me sens pas d'explorer le reste de l'île. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. C'était assez cool de vous faire cet épisode. J'ai beaucoup aimé l'enregistrer. J'ai beaucoup aimé rejouer à ce jeu. Qui est mythique, hein, pour moi, c'est le One Piece ultime. Hein. C'est juste qu'il manque un peu de triple A like. Attendez, je vais voir ce qu'il reste, ce qu'il faut pour refaire ce plat. Ah, des carottes sèches, j'en ai plus des carottes sèches. Non, on va s'arrêter ici. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, laissez un like, ça fait toujours plaisir et ça aide toujours à faire connaître la chaîne et tout le bordel. Ça me permettra de devenir le roi des youtubeurs. En attendant le prochain épisode, je sais pas, j'avais envie d'enregistrer un épisode sur Unlimited Clues, histoire de marquer le coup, parce que genre, je pense vraiment que c'est un jeu qui a vraiment pas eu le succès qu'il mérite. Je trouve ça dommage. Voyons voir ce que dit Robin. Haha, plus on est de fous, plus on rit. À l'aise, Robin. Je suis content que tu sois membre de l'équipage. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce jeu a beaucoup de secrets. Je vous invite à l'acheter, à le faire par vous-même, au pire. Si je peux au moins vous donner envie de le faire, ça pourrait être cool. Mais ouais, la pêche, c'est la base, en vrai. Mais on va quand même réussir à avancer dans le jeu. Là, on a réussi à battre le Kuro et donc Krik. Prochain adversaire, je me dis pas qui c'est, mais ça va être un peu plus compliqué. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!